L'enfant seul dans la cour de récréation, voilà bien une question qui est posée aux maîtres et aux maîtresses. Et quand il rentre le soir, qu'il a raconté à ses parents qu'il est seul, les parents s'inquiètent. Alors, voyons ce qu'en pensent les enfants. Raconte-moi pourquoi Martine est toute seule ici dans la cour. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Elle était en train de travailler. Où c'est qu'elle travaillait? Là. Ouais. Et ça a sonné. Ouais. Et elle est descendue, mais personne ne voulait lui tenir la main. Elle voulait se D'accord. laver les mains, mais c'était déjà pris. Ah, il n'y a personne qui lui donnait la main dans le rang? Non. Toute seule. Toute seule? Elle est allée toute seule pour se laver les mains aussi? Oui. Et c'est l'autre qui a pris sa place? Oui. Et ils l'ont fait quelque chose? Ils l'ont poussé? Et il s'est vite glissé comme ça. D'accord. Et alors après, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est allée dans la cour et puisque personne ne voulait jouer avec elle, et ben elle s'est assise sur la chaise. Et elle a essayé de jouer avec eux, elle a essayé de rentrer dans la ronde. Oui, mais personne. Il disait, mais pousse-toi. D'accord. Et qu'est-ce que tu ferais, toi, si tu étais à sa place? Ben, je le dirai à la maîtresse. Alors, tu vas prendre Martine et tu vas essayer de me montrer ce que tu ferais si c'était toi, avec le personnage. Et qu'est-ce que tu dis à la maîtresse? Personne ne veut jouer avec moi et tout le monde est méchant avec moi. Qu'est-ce qu'elle va te répondre, la maîtresse? Elle va me répondre que on va aller tous dehors et on va essayer de parler. Ah, alors vas-y, fais-les bouger, fais bouger la maîtresse et Martine pour voir ce qu'elles vont faire. Tout le monde va aller là. Vas-y. Alors fais parler un peu la maîtresse et les petits élèves qui sont avec elle maintenant pour voir ce que ça fait. Et ben, elle va dire pourquoi vous êtes méchant avec Martine. Alors qu'est-ce qu'ils répondent? Il y a lui qui est pas très gentil. Il dit mais non, on est gentil avec elle. Elle dit des mensonges. Ah ouais, et alors Martine a dit quoi? Elle dit mais non, maîtresse, c'est lui qui est le plus méchant avec moi en plus. Et alors, qu'est-ce qu'a fait la maîtresse? Elle dit, c'est vrai ce mensonge. Et après, comment ça se passe? Et ben il dit oui, c'est vrai, c'est vrai. Et puisque la maîtresse, elle sait que c'est un petit peu, il sait le mot sage, elle le gronde parce qu'il sait qu'il a fait une bêtise. Et qu'est-ce qu'elle pourrait faire, Martine, d'autre que de dire à la maîtresse? Elle pourrait essayer de se faire une copine. Ah, alors vas-y, comment elle ferait pour se faire une copine? Comment tu t'appelles? Voilà. Jeanne. Quel âge tu as? Voilà. 8 ans. Et toi? Je m'appelle Martine et j'ai 8 ans aussi. Si tu veux, on peut jouer ensemble. D'accord. Et comme ça, elle a une amie. Ah, et après, elles vont où alors? Ils vont jouer. Et puisque elle a toutes ses copines là, elle va dire, s'il vous plaît, j'ai une nouvelle amie. Ouais. Et ils vont dire oui parce que c'était celle-là, elle était amie avec tout cela. Du coup, ils vont dire oui. Avant, elle va parler parce que puisqu'il y a une petite dispute, enfin, elle va leur dire que ça s'est un petit peu pas très bien passé parce qu'aujourd'hui, elle n'avait pas trop de copines depuis un petit peu de temps, elle n'avait pas beaucoup de copines et du coup, eh ben, elle l'a dit à la maîtresse et on a parlé tous les enfants Ouais. et elle s'est refait des copines. D'accord. Et donc maintenant, ils viennent la chercher. À ton avis, est-ce que Martine, elle va se précipiter? Va être comme tous les jours. Ah. Elle va se précipiter.
Vas-y, fais-la aller voir ses parents. Oh, et là, qu'est-ce qu'elle va faire? On va dire, j'ai eu une copine aujourd'hui, j'ai eu une copine. D'accord. Et le petit frère qui est à côté, Oui. lui là, Oui. il prend beaucoup de place De quoi? dans sa famille? Les affaires du petit bébé, oui, mais Ouais. pas trop lui. Mais lui, non. Non. La maman et le papa, ils s'occupent beaucoup de Martine ou ils s'occupent plus du petit frère? Du petit frère. Ah. Et est-ce que tu crois que Martine, elle est triste pour ça? Un petit peu peut-être. Tu n'es pas sûr? Et la maîtresse, qu'est-ce qu'elle peut dire d'autre à ses parents? Elle peut dire, peut-être que vous vous occupez un petit peu trop de votre fils, et peut-être vous devez vous occuper plus de votre fille un petit peu quand même. Alors la maman, qu'est-ce qu'elle va répondre à la maîtresse? Vous avez raison, madame, la directrice. Alors Martine est avec son papa, sa maman, son petit frère, ils sont en promenade. Et Oui. moi, qu'est-ce que tu fais là? Je vais au parc, tu veux venir avec moi? Tu vas au parc toute seule ou tu vas au parc avec papa, maman et ton petit frère? Pa avec papa, maman et mon petit frère. Oh, ben c'est gentil ça. T'es contente alors? Oui. Allez, on y va toutes les deux ou on y va avec eux? Avec eux. T'aimes bien te promener avec ton papa et ta maman? Tu veux pas qu'on joue que toutes les deux? Mais ils vont nous surveiller juste. La solitude pour l'enfant à l'école a quatre facteurs. Le premier, c'est l'exclusion par les autres. Parce qu'il se peut qu'il soit trop bien avec la maîtresse, qu'il parle trop avec elle, avec les adultes en général. Et dans ce cas, les enfants ont tendance à l'exclure. Le deuxième facteur, c'est sa place dans la fratrie. Car selon la place qu'il occupe dans la fratrie, les autres peuvent avoir plus d'intérêt que lui ou que elle à un certain âge. Et par conséquent, il prend l'habitude d'être seul. Le troisième facteur, c'est d'aimer la surveillance des adultes par sécurité. De plus en plus d'enfants ne peuvent plus faire de jeu sans être surveillés par les adultes. Et par conséquent, ils se sentent un peu exclus du milieu des enfants. Enfin, le quatrième facteur, c'est la capacité à jouer. Car l'école est un lieu de travail. De la même façon que vous avez votre travail, les enfants ont leur travail, c'est l'école. Et par conséquent, jouer dans la cour de récréation ne fait pas toujours partie de leur centre d'intérêt.